Et bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Nelly puo de du Grand Séchoir de Vinay. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors ici, vous êtes chargée de développement des publics. En quoi consiste ce travail Alors, ce travail, il a plusieurs facettes. En fait, la première facette, c'est de faire venir le public au Grand Séchoir, donc par le biais d'animations, d'événements, de promotion auprès des groupes, donc scolaires, groupes adultes. En tout cas, c'est l'occasion, du coup, de rencontrer les personnes et puis, bah, aussi les inciter à venir au Grand Séchoir, découvrir cet endroit. Qu'est-ce qu'on y découvre? On couvre au Grand Séchoir. Il euh, y a plusieurs expositions, il y a toute une histoire. Commençons peut-être par l'histoire de, de ce musée. Comment est-ce qu'il est né? Alors ce, ce musée, il est né euh, il y a bientôt 20 ans en fait. C'était un projet de la communauté de communes de Vinay à l'époque qui avait le souhait, le désir de, de, de créer un musée consacré à l'histoire de la noix de Grenoble. Et le choix s'est porté naturellement sur un, un bâtiment agricole, un ancien séchoir à noix, de le transformer et d'y accueillir un musée consacré à cette histoire-là. Donc on a mis vraiment en avant l'histoire des hommes et des femmes en fait qui, qui ont fait la renommée de la noix de Grenoble. Donc, c'est sont plutôt à l'honneur et, et donc on, on chemine dans cet ancien séchoir à noix euh par apprendre, on commence d'abord par une belle histoire d'amour, euh, comment les noix poussent sur les arbres, euh, comment euh, se développe euh, la floraison, etc. Et puis euh, la naissance de cette petite noix. Et puis ensuite, on, on s'intéresse à la, à la culture de la noix avant la mécanisation. C'est une culture qui a, qui a plus de 100 ans, donc euh, qui est assez ancienne et donc avec des, des gestes, des savoir-faire bien particuliers. Et puis, on découvre l'histoire de, de cette appellation, comment les hommes et les femmes se sont battus pour, pour faire de ce fruit un fruit à la renommée mondiale est reconnue avec une appellation donc je tiens à le rappeler quand même, la noix de Grenoble l'appellation elle date de 1938 donc c'est la première appellation en France sur un fruit et puis ensuite on voit l'évolution de la mise en place de la mécanisation qui fait que les gestes ont, ont un peu évolué et puis on a quand même gardé les traditions la mondée l'architecture bien particulière des séchoirs à noix, voilà, on valorise tout ça dans l'expo permanente oui parce qu'il y a plusieurs euh, types d'expositions bien sûr donc il y a cette permanente euh, j'ai envie de dire sur l'histoire de la noix sur euh, le, le mode de fabrication sur la noix c'est vrai que euh, des fois on passe par toute euh, tout le dauphiné par euh, de un peu de partout en fait et on comprend pas trop en fait pourquoi la noix de Grenoble alors, en fait, dans le musée, on l'explique, justement, en fait, la noix de Grenoble, alors que c'est vrai qu'elle est, est plutôt présente sur notre territoire, euh, tout simplement parce que quand vous regardez la zone d'appellation noix de Grenoble, on se rend compte, en fait, que cette zone, elle est à cheval sur trois départements. Elle commence en Savoie, il y a une petite partie de la Savoie, on suit la vallée du Haut Grésivaudan, on passe par Grenoble, et on arrive ensuite dans le Sud Grésivaudan, et on descend jusque dans la Drôme. Et la plus grosse partie, effectivement, de récolte se trouve sur notre territoire, mais la noix, elle se cultive sur, tout au long de cette vallée, tout au long de la vallée de l'Isère. Et quand on regarde la carte, eh bien Grenoble est située au centre de la zone, c'est la ville principale, et Grenoble était plus connu, plus renommée que Vinay ou Tulin ou Saint-Marcelin. En tout cas, c'est l'occasion de découvrir un peu tout ça au musée avec l'exposition permanente, mais vous avez aussi des expositions temporaires. Qu'est-ce que vous mettez à l'honneur dans ces expositions temporaires alors les expositions temporaires, elles varient euh, euh, chaque année ou tous les deux ans suivant la thématique. Euh, on essaye de, de valoriser les patrimoines du pays de la Noix. Alors euh Soit en lien avec la culture de la noix, soit en lien avec l'histoire du, du territoire. On a accueilli l'exposition sur la route de l'exil, par exemple, l'année dernière, et puis, et puis sur cette, ce début d'année, euh, qui racontait l'histoire du centre d'hébergement de Cognin-les-Gorges, qui a accueilli des réfugiés euh, boat people dans les années 70 à 90. Voilà, donc c'est un petit peu raconter l'histoire de ce territoire, le mettre en valeur, et, et que ce soit lié à la noix ou, ou pas forcément, mais, mais voilà, il faut raconter l'histoire de, de, de ce territoire. La prochaine exposition sera une exposition partagée avec le Musée de l'Eau et le Couvent des Carmes. On pourra retrouver donc des œuvres sur les trois sites. Et c'est l'exposition qui s'appelle Forest Art Project, où là on va mettre à l'honneur l'arbre, la forêt dans l'art contemporain. Et donc pour parler un peu de ces questions environnementales, donc un autre sujet. En tout cas, vous avez plusieurs, euh, plusieurs vocations de sujets, que ce soit bah, au final l'environnement donc avec cette exposition à venir, euh, l'environnement bien sûr, euh, j'imagine que ça touche aussi quand on parle de noix et puis bah un peu l'histoire, c'est vrai du du patrimoine. Moi en tout cas, vous 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 ancrez vraiment bien dans dans, dans le sud Grésivaudan. Oui, c'est vraiment une volonté de, de que le grand séchoir rayonne et fasse découvrir en fait l'histoire de notre territoire. Il y a aussi des activités récurrentes que vous proposez donc bon, assez régulièrement. Qu'est-ce qu'on qu qu peut retrouver par exemple, enfin en tant que visiteur, qu'est-ce que je pourrais retrouver par exemple dans le mois, dans l'année, de manière récurrente Alors de manière récurrente, il y a un rendez-vous à ne pas manquer chaque, chaque dimanche, enfin le premier dimanche de chaque mois plutôt. Euh, C'est ce qu'on appelle la visite flash et ils sont bon plan de saison. Donc, chaque mois, on propose une visite avec une thématique bien particulière. Donc, c'est une visite qui va se focaliser juste sur une toute petite partie des collections du musée. C'est 30 minutes de visite. Et ensuite, elle est suivie d'un bon plan de saison. Donc, par exemple, en février, on avait mis à l'honneur l'huile de noix. Donc, la nouvelle huile de noix était, était arrivée, était, était là. Et donc, euh, on a fait une visite sur les utilisations de l'huile de noix autrefois, euh, euh, jusqu'à aujourd'hui, comment on la consomme, comment. Euh, on peut la consommer, on la retrouve dans nos assiettes, mais on peut aussi la retrouver dans nos produits de beauté. Donc voilà, c'était un petit peu jonglé avec ces différentes utilisations. Euh, voilà, donc chaque mois, une thématique différente. Là, les prochaines, au mois de mai, c'est une application sur, sur le vin de chaton. Et oui, c'est là, ce sera la période de faire, c'est pas encore le vin de noix, mais c'est le vin de chaton. Donc avec des producteurs qui viendront expliquer comment on fabrique du vin de chaton, une petite dégustation effectivement à la fin de la visite. Donc en gros ça ça dépend du coup de, de tous les événements bien sûr par rapport à, à la noix mais euh, j'imagine que si euh, c'est la saison par exemple des fraises c'est l'occasion aussi peut-être de, de donner un peu des astuces. Alors euh, effectivement, on, alors on, nous on reste basé vraiment sur la noix, mais on va donner des petites astuces de saison, des petites idées de recettes, des idées d'utilisation. De, Au mois de juin, ce sera sur la protection du verger, comment on protège son verger sans forcément utiliser des traitements, mais voilà des petites astuces pour pour faire fuir les nuisibles ou, ou pour pour jouer avec la biodiversité pour justement attirer d'autres insectes qui vont protéger notre verger. De quoi euh, bah, chaque personne qui souhaiterait se tenter de manière amateur à un petit jardin bah, peut Peut découvrir en tout cas comment ça fonctionne et quelques astuces. Tout à fait, voilà, c'est exactement ça. On peut venir, ça dure une heure, donc 30 minutes de visite et 30 minutes de bon plan et, et on repart avec des petites astuces. Alors, c'est vrai que on repart aussi, mais on peut repartir avec une application. <laughs> Expliquez-nous tout sur cette application qui arrive. Alors, ça, c'est tout nouveau. L'application sera lancée le 7 mai prochain. Euh, c'est une application mobile gratuite qu'on peut télécharger sur nos, nos smartphones. Elle nous géolocalise et elle nous indique à proximité euh, des points remarquables. Alors, bien sûr, des points remarquables euh, liés à, à l'histoire ou à la culture de la noix. Euh, donc, c'est vraiment, on l'imagine comme un prolongement de la visite et vous allez découvrir in situ, sur le, sur le territoire, euh, des vergers remarquables en AOP Noix de Grenoble, des séchoirs à noix euh, euh, dont l'architecture et remarquable également. Des points de vue exceptionnels où on va prendre un petit peu de hauteur pour, pour découvrir ce verger impressionnant dans la vallée de, de l'Isère. On peut aussi avoir les bonnes adresses des producteurs ou des artisans qui valorisent la noix. Voilà, donc c'est vraiment aller se balader sur le territoire avec cette application mobile et aller découvrir tous les patrimoines liés à la culture de la noix. En tout cas, c'est intéressant et ça fait voyager un peu tout le monde, ça fait découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles routes exactement donc l'application s'appelle le grand séchoir hors les murs et donc on va découvrir les thématiques du musée à l'extérieur et on va les voir pour de vrai très intéressant en tout cas euh, alors vous avez aussi des, des activités à venir bien sûr un peu moins récurrentes mais toujours possible à faire en tout cas qu'est-ce qui vient dans l'actualité du grand séchoir? Eh bien, donc là, le prochain grand rendez-vous, c'est le, le rendez-vous du mois de mai, Musée en fête, Nuit des musées, où les, les musées sont gratuits, ouverts gratuitement au public. Donc, le Grand Séchoir sera visitable euh, gratuitement le samedi et le dimanche euh, 14 et 15 mai prochain. Et puis, euh, dans le cadre de la Nuit des musées, nous accueillons une, une conteuse euh, qui vient dans le cadre du Festival des Arts du Récit. Et donc, euh, il s'agit de Mélancolie Mottes. Donc elle viendra avec son spectacle de conte Nanukuluk, l'enfant sauvage. C'est un spectacle de conte tout public à partir de, de 8 ans et ce sera gratuit. Et alors c'est vrai aussi qu'on peut constater que le grand séchoir de, de Vinet, mais aussi à, à l'honneur euh, les enfants, l'échange avec les enfants, il y a pas mal d'activités du coup qui leur sont proposées. C'est une volonté aussi de les intéresser à la vie locale, à, à la noix, au, à tout ce qu'on peut trouver en tout cas sur, sur le territoire. Alors, on s'est rendu compte effectivement que dans le, dans le cadre d'expositions de, temporaires qui étaient vraiment à destination des enfants, qui avait un public très, très intéressé et très famille sur notre territoire et qui, avait, qui était en demande d'activités pour les enfants. Donc, suite à cela, on a créé dans l'expo permanente la cabane à histoire, qui est vraiment un espace dédié aux enfants. Et puis, dans les événements récurrents, ce, ce qu'on aime bien proposer pendant les vacances scolaires, ce sont des, des balades vraiment ou des, des visites vraiment à destination des enfants et donc là euh, pendant les vacances d'avril où le temps euh, nous le permet c'est d'aller euh, faire des balades comptées dans le parc du grand séchoir où on raconte les aventures de la petite poussette d'Andersen donc là en tout cas c'est l'activité que l'on peut retrouver en ce moment euh, quelles sont les prochaines dates par exemple pour cette balade alors, il euh, y a la prochaine date, puisqu'on arrive à la fin des vacances, donc c'est le samedi après-midi à 15h30. Euh, voilà, donc il faut vous inscrire, c'est mieux, pour cette petite balade comptée. En tout cas, c'est l'occasion d'y aller, et puis bah ensuite, ça revient pour, euh, ce, cet événement reviendra pour les prochaines vacances, n'est-ce pas? Très certainement. Et puis, on imagine certainement d'autres visites en octobre ou euh, des visites avec des goûters, puisqu'en octobre le temps ne sera peut-être pas toujours avec nous. Donc, euh, peut-être des visites en intérieur, des visites pour les enfants avec des goûters à la noix. C'est l'occasion, en tout cas, de s'intéresser un peu à l'actualité du Grand Séchoir. Bien sûr, euh, vous êtes intéressé euh, par les activités qui vous ont été déjà un peu proposées. Vous voulez en savoir plus, voir un peu ce qui est proposé aussi. Euh, comment est-ce qu'on peut se renseigner alors sur le site internet du Grand Séchoir, je vous invite à consulter la rubrique Agenda qui, euh, qui est mise à jour. Et, et là, on a tous les événements euh, jusqu'à jusqu la fin de l'été. Donc on voit euh, tout ce qui va se passer, les apéros concerts, les lectures sous les arbres pour les enfants, euh, le cinéma en plein air. Voilà, donc il y a vraiment toutes les activités euh, à faire et, euh, au Grand Séchoir. En tout cas, c'est l'occasion d'aller un peu voir euh, ce qui s'y passe. Euh, on souhaite vous contacter pour avoir plus de renseignements. Comment ça se passe alors par téléphone, c'est possible au 04 76 36 36 10 ou sur Internet euh, sur info au singulier .fr. Donc c'est aussi simple que ça. On va sur Internet, on passe un coup de fil et puis on a tous les renseignements qu'on veut. Et alors je pense que ce qui est encore mieux, j'imagine, c'est de venir directement oui effectivement c'est plus agréable aussi de vous rencontrer merci beaucoup nelly pio aujourd'hui de nous avoir partagé un peu tout, toutes ces informations et à très bientôt à très bientôt merci